tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve devant mon sapin de Noël pour une vidéo cocooning. Il s'agit, eh bien, ça tombe bien, de la box cocon de soie. Cette box-ci, c'est une box donc cocooning, comme son nom l'indique. C'est une box d'intérieur pour prendre soin de vous et de votre intérieur. Et vous retrouvez à l'intérieur des bougies, des encens, des soins pour le corps. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est vraiment une box que je prends grand plaisir à vous présenter tous les mois. Je l'adore, c'est une de mes boxes d'intérieur préférées. Donc c'est parti pour la découverte de la box du mois de décembre. La box du mois dernier, elle était canon. Vous étiez nombreuses à avoir craqué. Si elle vous intéresse, je crois que j'ai un code promo. Je vous le mets là, vous les retrouvez toujours en barre d'infos. Et je viens tout juste de la recevoir. Donc ce mois-ci, vous avez un joli papier de soie rouge pailleté. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, déjà on est bien en thème de Noël hein, pour l'instant. Et je crois que le mois dernier, il était bleu nuit avec plein d'étoiles. J'aime bien ces petits papiers de soie. D'ailleurs, je l'ai gardé pour pouvoir m'emballer un cadeau dans le swap que j'ai fait avec Jenny. Et je découvre vraiment cette box de Noël avec vous entièrement. Je me suis absolument pas fait spoiler. Alors, c'est marrant, vous savez quoi? Parce que le générique de ma chaîne, j'ai un petit peu ce décor-là. Donc là, on est tout à fait dans le même décor. Et il est noté « Joyeuses fêtes de fin d'année. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos abonnés pour cette fin d'année. Que la magie des fêtes rayonne en votre cœur et vous apporte bien-être et bonheur. L'équipe Cocon de soie. » Je trouve ça joliment dit et merci pour ces vœux. Ça fait chaud au cœur. Ça commence très très bien. Je pioche ensuite un magazine et moi qui adore Noël. Je pense que vous l'avez compris hein, si vous me connaissez. Déjà, le magazine me plaît trop. Simple, épuré au niveau de la présentation. Christmas Edition, donc décembre 2021. Cette box est toute jeune en plus. Et vous retrouvez à l'intérieur plein de petits créateurs français. Il y a vraiment de très très belles marques. C'est une bonne manière de soutenir tous nos créateurs producteurs français. Alors, cette box, elle est tout Noël, hein, j'ai l'impression. Oh, regardez, mais c'est trop beau jusqu'à l'intérieur. Votre box Christmas Edition. Ça y est, c'est les fêtes de fin d'année. Vous avez peut-être aperçu les premiers flocons à vos fenêtres et fait vos premiers chocolats chauds au coin du feu. Oui, moi c'est le cas avec des mini chamallows. Pour fêter cette fin d'année ensemble, nous avons sélectionné 4 produits alliant fêtes et bien-être. Je vous spoil pas de suite, mais c'est une de mes grandes addictions. Je pense que vous aurez un petit peu compris. Valeur totale de la box, 84,40€. Très très belle valeur. Et à l'intérieur, donc vous retrouvez le détail des produits reçus, vous avez la valeur du produit, vous avez une petite histoire, soit sur la marque ou les ingrédients. Voilà, une petite note sur le produit. Et je crois, oui voilà, tous les mois, on a les conseils du mois. Alors, ce mois-ci, c'est 7 conseils pour préparer un Noël tout en sérénité. Je vous lis les gros titres. Choisissez une déco qui se garde. Emballez tôt vos cadeaux. Moi, c'est déjà fait. N'hésitez pas à me dire si vous aussi. Moi, c'est fait depuis longtemps d'ailleurs. Hein. En 3, faites des listes. Alors ça, j'arrête pas, surtout depuis que je suis maman. Faire du rangement dans la maison, ça tombe bien, je l'ai fait hier. Accordez-vous de l'attention. Et bien, du coup, c'est mon attention. De vous faire des petites vidéos, c'est vraiment ma bulle à moi. En 6, renseignez-vous pour la cuisine. Ça, non. En 7, dormez assez la veille. Alors, j'ai de la chance, depuis à peu près une semaine, mon fils refait ses nuits. Je le couche au bibi de 21h, je crois le dernier bibi, donc 21h30 à peu près, il est couché. Il se lève entre 7 et 9h le matin. Mais donc, ça, génial, pourvu que ça dure. Et vous avez également le DIY du mois, donc pour pouvoir créer vos photos forts de Noël. Oh, ça j'adore. Oh, et vous savez quoi? J'ai des bougies Yankee Candle vides que je garde et c'est une bonne idée. Je vais y mettre des petites bougies à l'intérieur. Oh, trop bonne idée. Et dans votre prochaine box, si ça vous intéresse, quand les températures baissent, on se replie chez soi. Pourquoi alors ne pas prendre le temps d'organiser l'année à venir? Vous retrouverez dans la première box de l'année de quoi commencer sereinement l'année 2022. Et voici quelques petites images qui sont censées nous mettre sur la piste. Je pense qu'on aura un petit carnet. Alors peut-être un produit maquillage ou soin pour les lèvres, un gommage ou un gloss. Je pense qu'on aura une déco, un cadre. Alors là, vous savez quoi? Je suis sûre de moi. Donc j'ai vraiment hâte de la découvrir le mois prochain et je dirais bah, une surprise.
Allez, j'ai trop hâte. On va commencer. Je vais essayer de piocher dans l'ordre. Et ça tombe bien. Oh là 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 là. Trop. Alors là, je suis tellement, tellement contente. Regardez déjà comme c'est bien emballé. Bon, vous l'aurez deviné, je ne fais plus durer le suspense. Il s'agit d'une bougie. Si vous avez des choses à dire à la box, même en positif et surtout en positif, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas. On pense souvent à dire le négatif, mais pas positif. Et ça fait du bien d'entendre des choses positives. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous ma vidéo, parce que je sais que la box regarde vos commentaires et fait très attention à la satisfaction client. Oh, waouh, j'adore. Regardez-moi cette beauté. Mais ça, c'est une bougie collector. Je me demande même si c'est pas une édition limitée. Oh, elle est magnifique avec le petit bonhomme en pain d'épices, la petite biscuit de Shrek. Oh, elle est trop, trop belle. Oh, alors ça, il faut la garder, hein. Elle est sublime. Super contente. Je suis une grande addict des bougies. Bougie parfumée Perce-Neige. C'est le nom de la bougie. Et la marque, c'est Colline de Provence. Non, mais la merveille, quoi. Avec sa mèche bois qui crépite. Oh, mais génial. C'est comme les Woodwick. J'adore ça. J'ai découvert il n'y a pas longtemps. La bougie parfumée Noël Perce-Neige créera une atmosphère festive dans votre intérieur. Ça, c'est clair, hein, rien qu'avec le packaging. Pour que votre bougie soit uniforme, laissez-la brûler jusqu'à ce que la surface soit totalement liquide. Ne pas laisser brûler votre bougie plus de 2 heures. Ah, alors ça, je ne savais pas. Avant de rallumer votre bougie, recoupez l'extrémité de la mèche pour la pyramide olfactive. Alors, vous savez quoi? Je vais déjà la sentir avant de lire la pyramide. Moi, je vais me faire un petit test, je suis comme ça. Ça sent trop bon. Alors, je sens les fruits, comme de la poire, et un fond un peu musqué. On va voir si je me trompe. Pourtant, c'est étonnant, je vois une petite orange dessus. Oh, je suis trop forte. Note de tête, bergamote, poire et pomme. Note de cœur, jasmin, rose et muguet. Ah ouais, je retrouve un petit peu le muguet, c'est vrai. Et note de fond, bois de gaillac, ambre et musc. Donc, je suis quand même douée, hein. Il vaut mieux, hein, avec le nombre de bougies que j'ai. Il faudrait que je vous les présente dans mon prochain vlog d'ailleurs. Oh, celle-ci, elle va rejoindre ma collection. Et regardez, on a vraiment les mèches à la Woodwick. Elle est trop, trop belle. Ravie du premier produit, hein. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'en suis très, très, très contente. Valeur du produit, 18 euros. Ça va, c'est une marque qui n'est pas super onéreuse. J'aurais dit plus, hein. Franchement, vu le packaging. Elle est tellement sublime, ça fait tellement classe. Colline de Provence, parfumeur et botaniste, est née en 1982 en Haute-Provence. Je vous lis un petit peu les teasings parce que comme c'est, enfin les histoires, comme c'est des marques françaises, c'est bien de les mettre en avant. Il confectionne des collections uniques de bougies parfumées naturelles, parfums d'intérieur et bouquets parfumés aux fragrances précieusement développées à Grasse et Made in Provence. Les bougies parfumées sont coulées et confectionnées à la main dans leurs ateliers pour des bougies 100% français et 100% Provence. Génial, hein, le premier produit. Pour le second, on passe, donc on est à l'intérieur, maintenant on passe à soi, un petit moment pour soi. C'est un produit de la marque Terre de Mars, c'est un lait nourrissant corps et mains. Alors, je l'utiliserai peut-être plus pour les mains que pour le corps. Les crèmes corps, j'oublie de les mettre. Terre de Mars propose un lait corporel qui hydrate et régénère votre peau de façon durable. Il est naturellement riche en antioxydants pour booster votre peau. Vous pouvez l'utiliser aussi bien sur le corps que sur les mains trop sèches. Valeur du produit, 25 euros. Le lait est fabriqué en France et tous les ingrédients sont certifiés Ecocert, vegan et cruelty free. Vous avez à l'intérieur de l'extrait de caféine. L'extrait de caféine raffermit les tissus et apporte une touche de fraîcheur. Vous avez également de l'aloe vera qui permet d'hydrater et d'apaiser la peau en profondeur tout en participant au renouvellement cellulaire. Et pour finir, vous avez également du tournesol. Le tournesol permet de maintenir l'élasticité et la souplesse de la peau grâce à sa fonction hydratante. Je passe ensuite à un autre produit, mais cette box est faite pour moi, décidément. C'est du thé, j'adore ça, hein. Oh, il faut que je vous montre aussi ma collection de thé, mon rangement de thé. Ouais, ça c'est une bonne idée, prochain vlog. Donc là, c'est un rooibos de Noël. Ouh là là, le packaging, il est trop, trop beau. On dirait un petit peu les paquets, j'allais dire de Colors of Tea, bah oui, c'est ça. C'est une box que je présente sur la chaîne, toutes les box. J'adore cette marque, donc ravie de la retrouver dans cette box, c'est trop bien.
Donc la marque Colors of Tea, un rooibos aux notes d'orange, cannelle, girofle et cardamome. On y est, un thé de Noël en bonne et due forme. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site, ils ont des pépites. Et notamment, je crois que c'est un rooibos aussi, au pop-corn et à la framboise et au caramel. Une tuerie. Il ne manque plus que le feu de cheminée et la petite couche de neige à l'extérieur, tandis que l'on reste bien au chaud sous son plaid à côté du sapin. Chez Colors of Tea, tous les thés et tisanes sont en vrac bio, avec une aromatisation naturelle et un packaging recyclable. Vous avez là un petit clip pour bien le conserver une fois que c'est ouvert, avec les ouvertures faciles que vous voyez. Valeur du produit, 9,50€. Oui, c'est des thés qui sont de qualité. Et donc, vous avez 25 grammes dans ce thé. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'au dos, donc déjà sur le devant, là, vous retrouvez le degré conseillé, le dosage conseillé. Donc là, une cuillère à café par tasse et le temps d'infusion. Et pour finir, je pioche un petit pochon qui est super mignon. Alors, la marque ne me dit rien. Comme ça, le pochon, il est tout doux. Vous avez un bracelet coco ligne argent à l'intérieur de la maison des bijoux concernant la marque. Valeur du produit, 21,90€. C'est dans une petite pochette en plastique comme ça. Alors moi, je suis pas trop argent, je suis plutôt or, mais j'en ferai cadeau, c'est pas grave. Par contre, il est mais super, super joli. Oh, regardez-moi ça, il est canon. Il est vraiment argenté, vous avez des petites boules. Alors, c'est pas nacre, hein, c'est plutôt blanc. Il est joli, hein. Très, très, très mignon. La petite surprise du mois, il est important de se faire plaisir. Alors, quoi de mieux qu'un bijou pour embellir vos journées ou vos tenues de fête? Le bracelet coco-ligne en argent de la maison des bijoux est adaptable à tous les poignets avec 5 cm de longueur réglable que vous voyez juste ici, là. C'est ce que je tiens. Il est décoré avec des petites boules blanches en acier inoxydable de la meilleure qualité. Donc ça, c'est parfait. Ça va résister à l'eau, au parfum, aux crèmes, à votre crème main Terre de Mars. Une partie des bénéfices de la maison des bijoux est consacrée à des causes sociales. Ça, c'est top. Ah ! Alors, le saviez-vous, petite note, le port de bijoux comme parure a une explication psychologique qui repose sur notre besoin de contact social, d'amour et d'amitié. Je pense que j'ai beaucoup besoin d'amour et d'amitié, moi, hein, clairement. Mais aussi de reconnaissance et de réalisation de soi. La société a donc une grosse influence sur cette habitude ancrée dans nos vies. C'est toujours très intéressant. Ce qui marque à l'intérieur, vous l'avez vu, ce besoin d'amour et d'amitié s'exprime. Par exemple, lorsque nous portons des bracelets d'amitié et en échangeant des cadeaux à la Saint-Valentin ou Noël, et ben vous savez quoi ? Je sais déjà à qui je vais l'offrir, ce bracelet. La présentation de la box cocon de soie est à présent terminée. Et ben, quoi vous dire, c'est à nouveau une réussite. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs, je vous y attends. C'est une très bonne idée de cadeau pour soi, faut bien se faire plaisir, mais également à offrir pour toute occasion. Bah pour votre petite copine, pour la Saint-Valentin, parce que bientôt Noël est fini. Mais si vous avez du retard, vous pouvez toujours l'offrir en abonnement, un anniversaire, etc. C'est une très très belle idée de cadeau. Et bah pour soi également, à recevoir tous les mois. Moi, c'est vraiment une box que j'apprécie recevoir et puis qui me donne beaucoup de baume au cœur. C'est important de prendre soin de soi et de son intérieur pour s'y sentir bien et donc se sentir mieux. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et nous on se retrouve très très vite, promis, dans de prochaines vidéos. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.